Salut, salut tout le monde, bienvenue pour ce 11e épisode de la 3e saison de Ark vs Minecraft. Objectif, excusez-moi, savane. Donc là, on est en train de faire notre récolte de patates, enfin de pommes de terre évidemment. Donc on replante tout de suite. Mais bon, on est franchement large. La savane ne pose pas trop de problèmes au niveau de la nourriture. Sincèrement, il y a vraiment de quoi faire. En plus, avec les étendues d'eau assez régulières, la pêche donne aussi pas mal. Et elle permet aussi d'avoir pas mal d'équipements. Donc là, on est bon. Hein, on est vraiment bon. On arrive vers la fin. 11e épisode. Encore 4 à tenir. On verra si on survit encore à la nuit. Mais bon, ça va. Je pense que ça va se corser au niveau des mobs. Puisque plus on reste au niveau de. Au niveau d'un biome au niveau, enfin je veux dire dans le temps, plus le temps passe, plus les mobs je pense deviennent assez résistants. Donc là on fait un peu le ménage et on va aller voir de l'autre côté si ça a poussé aussi. Hop, on va les ranger aussi les pommes de terre je pense. Voir les chauffer aussi. Bon, on verra. On verra au fur et à mesure. Mais ouais, ça n'a pas l'air de trop pousser là-bas. Il y a un peu de jaune, mais il y a beaucoup de vert surtout. Ouais. Ouais, c'est pas encore farmineux cette histoire. Bon, tant pis. Hop. Allez, on y va. On va dans le coffre. Et hop, on range tout ça. Comme vous voyez, au niveau nourriture, on est large, hein. On se débrouille plutôt bien. En plus, comme à un moment, on s'est, enfin, je vous ai montré qu'on pouvait aussi se nourrir avec, en s'intoxiquant, mais se nourrir avec les cervelles, voilà quoi. Enfin, ça nous permet de gagner du temps et de pouvoir, comment dire, de pouvoir stocker un peu de nourriture en attendant. Donc voilà, à ne pas sous-estimer, ça peut être hyper intéressant. Allez, on reprend la canne à pêche. Et on va se remettre à pêcher. On verra bien. Un peu de poisson. Donc on est bien d'accord hein, sur un Ark versus Minecraft. Il n'y a pas d'enchantement. On y va vraiment à la basique. Donc hop, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir prendre. On attend la nuit pour combattre. Donc là. On voit les petites particules. Normalement, à un moment, vous allez voir des petites particules qui vont commencer à bouger en ligne. Et le bouchon va descendre dans l'eau. Il faudra tirer à ce moment-là. Voilà, regardez. Hop, et là, je tire et j'ai mon poisson. Donc, on voit les petites particules à droite, à gauche, un peu partout, comme ça. Puis à un moment, il y a une petite ligne de particules qui se fait. Et quand vous avez la petite ligne de particules qui se fait, c'est que automatiquement le poisson arrive vers votre ligne. Et donc vous suivez la petite ligne de particules et dès qu'elle arrive à votre bouchon et qu'elle commence à l'emporter vers le fond, faut tirer. Et là, vous ferez votre poisson. Ben voilà, là ça arrivait du fond. Hop, donc ça en fait un deuxième. Hop, et voilà. Là, on récupère un troisième poisson. Vous voyez, ça va assez vite hein, au bout d'un moment. Bon, puis après, il n'y a pas aussi 36 000 cubes d'eau, donc ça va. Mais voilà, enfin une façon assez facile de vous faire de la nourriture. La pêche, c'est pas sous-estimé, sincèrement. Alors si vous avez une usine à Guardian, alors là je vous dis même pas le carnage que vous pouvez faire avec ça. Puisque du poisson, vous en récupérez à la masse. Bon après, il suffit de le faire griller, enfin vous le passez au four pour le faire griller et automatiquement. Ah, c'est bon. Je sais pas ce qu'on a récupéré. Si on a récupéré du poisson encore. Alors défaut, vous allez pas récupérer du poisson, vous allez récupérer des items. Il se peut que vous récupériez aussi des items carrément, comment on appelle ça, enchantés. Et de ce fait, ça peut être hyper intéressant quand vous êtes quelque part et que vous avez rien et que vous n'arrivez pas à trouver d'équipement. Hop, ça on prend. Pour l'instant, on a de la chance, on a que du poisson. Vous pouvez trouver n'importe quoi, hein. Vous pouvez trouver des bouts de bois, vous pouvez trouver des pièces d'armure, vous pouvez c'est quoi là, les name tags,
Voilà quoi. Il y a pas mal de trucs que vous pouvez retrouver dans l'eau. C'est aléatoire. Hop, voilà, on reprend du poisson. En plus, c'est bon pour la mémoire, le poisson. Allez. Hop, hop. Allez, encore. On commence à voir la luminosité baisser. Donc ça veut dire qu'on va pas tarder à arriver à la phase de nuit. Et là, on va s'amuser. Allez. Pour l'instant, j'ai pas vu trop de witch. Et pas trop d'Enderman non plus. Donc ça va, ça reste assez gérable entre les squelettes. Bon, il y a quand même les creepers qui s'amusent à me faire péter un peu tout le décor. Mais ouais, ça reste quand même assez gérable hein, sur le fond. Ah tiens, on a récupéré une patate? Ouais, je crois qu'on a récupéré une pomme de... je sais même pas. Ouais, je crois que c'était une pomme de terre que j'ai vu passer là. Bon, on va aller la mettre avec les autres là. Hop. Hop, on range tout ça. Comme vous voyez, ça en fait pas mal. Hein. Hop. Ah non, c'était pas une pomme de terre. J'sais pas... Ah non, c'est un autre poisson, d'accord. Ah ouais, par contre, ceux-là, il faut pas les manger. Faites gaffe aussi au niveau des poissons. Il y a des poissons qui sont empoisonnés. Il vaut mieux les éviter, quoi. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de potions. Mais vaut mieux les éviter à la consommation. Parce que vous allez vraiment vous intoxiquer. Ok. Bah, je crois qu'on est bon, hein. Oh la 46 cervelles, ça serait dommage de passer à côté de l'intoxication. Hein. Alors le problème c'est que le cerveau ça part assez vite. Hein, donc, parce que comme vous intoxiquez, vous perdez de la vie, vous perdez donc assez vite votre satiété aussi. Donc vous les enchaînez. Hop, on va se refaire deux. Je vais les préparer juste au-dessus parce que je m'attends à ce qu'à un moment ça devienne un peu plus ardu. Ah, j'avais pas fait attention que j'avais déjà un stack de flèches. Comme quoi, c'est des trucs auxquels on fait pas trop attention, mais ça va vite quand même à récupérer. Hop. Enfin, je les utilise pratiquement pas. Puis de toute façon, je crois que j'ai pas d'arc. Si, j'ai un arc. Si, j'ai un arc. Je dis n'importe quoi. Mais ouais, c'est pas le truc que je vais utiliser le plus. Hop, ça, on va essayer de réparer un petit peu le coin parce que sincèrement ça fait pitié. Voilà, on va aller voir à droite, on va aller voir à gauche et on va voir si on peut combattre. Parce que c'est pas tout ça, mais un arc versus Warhammer, ça se joue aussi une nuit. Et pour le combat, hop, y a personne là par ici. Bon, alors c'est quoi que je tue en premier? Je fais le malin, mais si ça tombe, je vais mourir. Allez, on avance. On y va. On se méfie de pas tomber dans l'eau. On sait jamais. Ce sera à ce moment-là. Ah, voilà. Donc, la première victime sera un zombie. Ouais, il a volé, là. Hop, c'est bon. On a encore récupéré une cervelle. Un peu d'XP. Niveau 27 au niveau hein, de... Alors plus vous montez en XP, plus ça devient dangereux pour vous. Hein, là on est quand même sur du mode survie quoi. Une seule vie donc ça s'arrête quoi, ça en record. Donc ça s'arrête. Hein, si je meurs là c'est terminé. Hein, je pourrais pas revenir. Donc à moi de bien gérer les choses. Bon, on aura eu un peu de tout là cette soirée. Hop, voilà. Pour une fois, il m'aura pas explosé le terrain. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans le secteur? Hop, on mange. Comme vous voyez, ça tombe très très vite la nourriture avec les cervelles. Si vous n'êtes pas sûr de vous et si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de denrées, surtout ne touchez pas aux cervelles. Ça va vous mettre votre satiété au minimum et... Le problème, c'est que si vous n'avez pas assez de nourriture derrière, vous risquez de le regretter assez vite. Ah, ça y est, un méco. Ouf. C'est passé pas très loin, évidemment. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, un squelette, hein, vous restez pas devant.
vous cachez, vous laissez venir à votre rencontre, et à partir de là, vous le frappez. Hop, oulala, oulala, eh zut! Oh, c'est pas vrai. Bon. Bah, ça c'est fait, j'ai fait ma bêtise. Voilà. C'est une horreur. Vaut mieux que j'aille combattre trop loin parce que je sens que je vais faire des trous de golf un peu partout. Hein, il y a un ennemi là-bas. On va aller chercher. Ah, il est où? Hop. Je vois rien. Oh, le trou qu'il a fait. Je vais récupérer un maximum de trucs. Mais. Oh. Ah, c'est dévastateur, hein. Les creepers, ça pardonne pas. Hein. Au-delà du fait que ça peut vous blé, enfin vous tuer, c'est surtout que ça tue vos constructions quoi. Tu viens toi ou pas? On en parle Non? Lapin, tu restes à ton. Oh, il a volé aussi. Ok, on va y arriver. Ouf. Allez, viens là. Ça va faire du fil. Je vais me méfier à reculer comme ça parce que je vais m'envoyer du côté d'un creeper, je vais voler vers l'avant. On va peut-être récupérer. Alors, il n'y a rien là? Non, je vois plus rien. Ouf. Allez, lapin, c'est la tannée quand même. Hop. Allez, on y va, on avance. Ok, ça c'est fait. Ok. D'accord. Ok. Ensuite. Ok, bah on les enchaîne. Hein. Comme vous voyez, il y a vraiment du combat. Sachant que si je meurs, je reviens pas. Hein. Donc le but est vraiment d'essayer de survivre. Hop. De façon hardcore. Allez. On est parti. Ça va, on tient. On a encore une quarantaine de cervelle, mine de rien. Sincèrement, la nourriture nous sert à rien. Allez, c'est parti. Si vous vous demandez pourquoi je plante assez régulièrement les torches, c'est pour que vous puissiez voir quelque chose. Hein, parce que comme vous voyez, déjà YouTube c'est assez sombre. Alors si en plus je mets pas de lumière à un moment, vous verrez pas vraiment grand-chose de ce qui se passe. D'où aucun intérêt à regarder l'épisode. Hop, on va changer un petit peu. Il y a quoi par là? Il n'y a rien du tout. Wow, on a du mal à distinguer quand même. Hein. Hop, allez, on y va, on récupère. Ça devrait plus tarder à se lever là, normalement, le petit jour. Donc, on va regarder. Il n'y a rien. Ici, il y a quoi? Ah, rien du tout. Pas tant d'ennemis que ça, hein. C'est quand même dingue cette histoire. Je pensais que dans des contrées assez désertiques comme ça, enfin, un steppe, il y aurait quand même beaucoup plus d'ennemis, mais non. Ça reste raisonnable, on va dire. Ah, c'est un lapin. Ok. Allez, on récupère ce qu'il nous faut. Ah d'accord, il est là-bas. Hop. Allez, vas-y, viens, bonhomme. Bon, tu te pointes? On va pas y passer la nuit. Ah, ça y est. Hop, voilà, il a cassé la distance. C'est l'erreur à pas faire. Un archer, c'est plutôt de loin qui doit taper. Il commence à m'énerver les lapins. Ça bouge dans tous les sens et tout, ça vous met en éveil. Hop, attention. Tac. Tac. Allez, encore un. Non, même pas. Hop, voilà. Oh, on a récupéré deux cervelles. Donc en gros on les récupère plus vite qu'on arrive à les manger. Bon, ils sont où là? Allez. Là-bas.
Alors, au fur et à mesure que le petit jour va arriver, vous allez voir, ils vont venir se suicider. Hein, donc, comme ils savent qu'ils vont cramer au soleil, automatiquement, bien souvent, voilà, ils viennent sur vous au petit jour avant de cramer pour vous attaquer et essayer de vous tuer. Donc là, hop, là c'est bon, hein, c'est le petit jour. Comme vous voyez, la lumière commence à réapparaître. Ok, bon, allez. De toute façon, c'est pas comme si on n'avait pas des flèches. Hop. Lui, on l'a tiré. Non, même pas. Bon. Ils vont nous pourrir la vie, là, les deux. Ah, ça y est, il arrive, lui. Hop, je me recule. J'avance, je recule. Et j'avance. Et c'est bon. Ça y est, le soleil, il va arriver. Je pense que les squelettes vont commencer à cramer. Hop, hop, hop. Alors, squelettes et zombies, la journée, ça survit pas. Hein. Si vous connaissez pas trop le jeu, vous avez différents comportements. Donc, déjà, les squelettes, ils cherchent l'ombre parce que le problème, c'est qu'ils peuvent pas survivre à la lumière du jour. Pareil pour les zombies. Et les araignées, par contre, elles perdent leur agressivité la journée, elles vous attaqueront pas. Par contre, la nuit, elles vous feront pas de cadeaux. Les creepers, eux, ça change rien. Journée, nuit, ils feront toujours boue. Et après, bon, le reste, non, il n'y a pas de. Tout ce qui est sorcière, Enderman, ça vit aussi bien le jour que la nuit. Donc voilà. Hop, on va monter. Il y a encore des trucs à récupérer, hein, mine de rien. Ça pousse bien, ça donne bien. Mine de rien. Hop, c'est bon. Ici aussi. C'est cool. C'est cool. Ok. Hop. Allez, c'est parti. Hop, on met là. On va mettre ici aussi. Ici. Là, il y en a un qui a poussé juste entre-temps. On l'a vu sortir de terre. Donc c'est bon. Je pense qu'on est bon. Hop, allez. Hop, 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 hop. Ok. Bon. On récupère la cervelle qu'on va manger. Et j'arrive pas à descendre en dessous de 40, hein, mine de rien. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un trou ici. Ça c'est le truc à vous tombez nez à nez avec un creeper et vous pleurez. Allez, on avance. Bon. Ben, je vous dis à plus pour le 12e épisode. On arrive bientôt à la fin. Allez, amusez-vous bien. À plus, salut!